Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 9 du Let's Play Feed the Bourrin. Je vous avais laissé sur la création du Mana Steel, maintenant il est temps de continuer sur le portail des elfes. Hop, hop. Donc, hop, on va continuer. Donc cette recette, je reprends mon petit bouquin, je retourne sur Portal, peut-être que c'est là. Portal, non, c'est pas là non plus. Hop. Donc, Alphomancie, Portal to Elfline, Alfheim, gna gna gna, donc 8 Living Rocks on a, Glimmering Living, on peut le faire. Elvin Ghetto Record, on va pouvoir le faire. Deux Mana Pool et deux Natural Pylon. Rilon, ok. Donc ça, cette première étape, je pense qu'on va pouvoir la terminer dans la joie et l'allégresse. Donc on va prendre ça, on va faire. Hop. Hop, 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 check. Je vais me vider vite fait les poches. Parce que je tourne l'épisode 9 juste après l'épisode 8. D'ailleurs, j'ai oublié de faire l'épisode 8. Petit fail. Big up Tado. Ça, j'en veux pas. Ça, je peux garder. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus, on va regarder ce qu'il m'a ramené. Ouais, vous voyez que je commence à avoir un tas de saloperies. Mon réservoir est bientôt rempli comme il faut. Ici, ça continue d'aspirer, donc c'est parfait. Hop, le reste. Je prends ma petite Ender Pouch. Et je mets les trucs dedans. Ça. 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 Et puis c'est tout. Et puis ça. Non, ça je vais le garder avec moi. Et bah voilà. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Parfait. Allez hop. Retour en extérieur. Et du de, donc pop, on a fait l'Elven Core. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Elven Gateway Core. Donc maintenant il va falloir faire de la Glimmering Wood machin. Alors, Glimmering Wood. Oh mince, il nous faut un autre. C'est pas un souci, faut juste que j'aille rechercher un diamant et une ender pearl. Non, je ne prépare pas du tout mes épisodes. J'y l'assume. Ender pearl, hop, touc. Diam. Diam, diam. Voilà, tiens, j'ai récupéré un diamant entre-temps. Donc. Et on va aller tremper ça dans le mana. Vite fait, on va le mettre ici, tiens, tant qu'à faire. Autant. Hop. Et ça aussi. Hop. Et là. J'bim. J'bam. Et j'boum. Non, perdu. Ouais, il recommence. Pas gentil, hein. Pourtant, j'ai suffisamment de mana là. Ah 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 ah. Ça se vide. Pourquoi ça se vide? Ah bah là, il n'y a pas eu l'animation, mais on a eu le Mana Steel. Pourquoi pas, hein? Allez hop, zou. Allez savoir, des fois, c'est. Botania se met à jour suffisamment souvent, donc on va pas lui faire tenir grief des petits bugs de lumière ou quoi que ce soit, mais bon, voilà. On a le deuxième Terra Steel. J'espère qu'il en faut qu'un. Je crois qu'on en fait deux. Ah, non, il faut que j'en refasse un. Ah, hop. Par contre, le problème étant. Non, on va biaiser. On va biaiser, on va biaiser. Diam, j'bim, and, j'bim aussi, voilà, hop, hop, j'ai une mana tablette qui est quasiment remplie, que je vais le mettre en accepting, voilà, je te balance là-dedans. Hop là, ça se remplit joyeusement. Ça, normalement, ça devrait arriver jusqu'à la moitié du mana pool.
Allez, dépêche-toi. C'est pas comme si on tournait un épisode, hein. Ouais, ah, ça s'est arrêté. Hop. Et là-bas, je vais re-remplir ma manette à tablette avec ce truc-là. En sparing. Donc, logiquement, le temps de faire ça devrait être bon. Alors. Comme ça, vite fait. Oh, mince, j'ai oublié de faire ça. Hop. Et hop. Voilà. Mais arrête de me rendre les objets, toi. Qu'est pénible. Donc, là. Oh, c'est pas vrai. Non, mais il se fout de moi. Allez hop, ici ça devrait être bon. Je vais le tuer ce jeu. Bon, ça le fera. Hop, ça c'est pareil. Et hop. Bim. Et là, est-ce qu'il se passe quelque chose? Il ne se passe rien. Ah oui, forcément, l'Ender Pearl n'était pas sur le bon endroit. Ah, voilà. 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 Là, ça devient bleu. C'est parfait. Petite taf. Ça va devenir vert. Et bim! Plus qu'un passage. Et ça va se transformer en terra style. Tadam! Voilà. Bon, trois terra style plus tard, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des pylônes. Alors, les pylônes. C'est pas très compliqué à faire. Oh, il nous faut encore deux diamants, c'est pas possible. Ouais, deux diamants. Deux diamants. Ce serait une bonne idée si je me faisais une interface, un crafting terminal de ce côté-là aussi. Ça pourrait être pas mal. Diamond. Heureusement que la tortole m'a ramené suffisamment de diam, sinon c'était mort. Hein. Parce que pour l'instant, c'est vraiment pas la panacée. Hein. Hop. 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 Voilà. Voilà. Et donc, une table de craft, je crois. Ah merde, il me faut de l'or. Oh, désolé. Gold. Pas fold, gold. Pas golf non plus. C'est combien qu'il en faut? Deux, d'accord. Donc 4. 4. Perdu. Voilà. Hop. Tac, tac. Tac. 1, 2. Et donc, logiquement. Oh, me dis pas qu'il en. Non, me dis pas ça. Bon, on va pouvoir en faire un déjà. C'est pas. C'est déjà ça. C'est. Voilà. Mana Steel. Ah non, c'en est deux. Bon, bah, bonne nouvelle, parce que c'était pas marqué là. Et là, il y en avait qu'un. Bon, allez, on remonte. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Glimmering et Livingwood, d'accord, donc ça c'est le pattern. Glimmering. Glimmering. Glimmering comment? Moi je veux bien, mais au bout d'un moment, il faut expliquer les choses quand même. Alors, plus je l'ai fait, je me souviens même plus. Glimmering, Livingwood. Ouais. Glimmering. Glim, Livingwood. Ok, juste de la glowstone avec de Livingwood. Jusque-là, ça semblait logique. 1, 2, hop, on monte là-haut. Merde, il en faut 3, t'es sérieux? Apprends à lire, Olive. Oui, c'est mon prénom, Olive, mais c'est Mousse pour vous. Voilà. Glowstone. Nia. Voilà. Hop.
Je vais prendre un stack à chaque fois, ça m'aidera de faire des allers-retours, mais après le problème c'est que l'inventaire est plein. Living Wood. 1, 2, 3. Hop. Non, tu restes là, la pétale, on t'a rien demandé. T'es gentil. Hop. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on a quasiment tout ce qu'il faut. On va prendre le reste de Living Wood, histoire de. Alors, où est-ce qu'on va mettre ce foutu portal? Quelque chose là? Non, il n'y a que dalle, c'est parfait. Hop, on va remettre ça là. Quoique. Alors, on va essayer de le centrer. On va pas pouvoir le centrer. Mince. Mince, mince, mince. On va le faire comme ça à l'arrache. Hein. Alors, il nous dit quoi au niveau du pattern, Titi? Ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, un d'espace. Attendez. Non, on va pas pouvoir le faire là parce que je veux faire quelque chose avec. Alors, on va chercher un peu de dirt vite fait. Mais que c'est laborieux cet épisode 9. Que c'est laborieux. De la dirt, s'il vous plaît. Voilà. Avec ça, on devrait être tranquille. Hop, faire ça en mode crade. Je vois ça derrière les trucs comme il faut. On a ce qu'il faut là ou pas? Hop. Ah. Hop, voilà. Alors, on va dire que ça va être le milieu. Voilà. Ça va être les côtés. Donc ici. Le milieu, j'ai dit. Oh, j'ai zappé le pattern. Ok, donc le milieu, seul qui reste, voilà, ici, comme ça, et on fait pareil là-haut, hop, voilà. Maintenant, il nous dit de faire quoi, le monsieur? Donc de mettre du living wood, jusque-là, je te suis, tac, 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 tac. Ah. Mince, perdu. Balle au centre. Mettre trois plombs pour le fermer, celui-là. Voilà. Hop. Pareil ici. Hop. J'aurais dû faire ça dès le début. Voilà. Donc maintenant, on va prendre notre petite pelle. Voilà, tout est dégagé, c'est parfait. Ensuite, deuxième étape, on met les trois glimmering wood. Toc, toc et toc. Et dernière chose, on met le Elven Gateway Core qui est ici. Voilà, si c'est bon, c'est bien comme il faut, parfait. Et après, il faut descendre 1, 2, 3. 1, ah, d'accord, ok. Alors là, ça va. 1, 2, 3. Ok, parfait. Non, pas parfait. Pas parfait. Quoique. Il va être ici. C'est en hauteur ou pas, par contre? Ouais, c'est là qu'il va falloir mettre les mana pool. Ok. Mana pool, donc c'est comme ça. Hop, c'est voilà, 1, 2, non ça se stack pas ces conneries. Voilà, donc 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, pof, c'est pas propre, mais bon, on fera avec, on fera avec. Alors, du coup, maintenant on met les pylônes. J'bim, j'bim, d'accord. Donc là, ça y est, notre portail est fait. Mais, parce qu'il y a un mais, on va dire qu'on va se mettre. On va se mettre là.
J'ai pas une torche là ou un truc pour. Allez, hop. Ça, voilà. On va récupérer nos thermal lily qu'on avait laissé la dernière fois. Voilà. Et on va dire que. Alors, faut être malin. Faut être malin. Je vais faire deux mana splatter aussi. Bien évidemment, il va falloir de l'or. Hop. Hop. On va prendre. Là. Voilà. Ah, tant qu'à faire. Je vais vous montrer la recette de la floodgate. Enfin, crafter une floodgate plutôt. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Iron Tank. Ouais, super. Non, mais t'es sérieux, toi? T'as rêvé. Gear, Railcraft, Thermal Foundation, parfait. Alors, du fer. Tac, 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 tac. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Des grilles et du fer. Alors. Voilà. Iron. Oh! On a juste ce qu'il faut. Alléluia. Voilà. Hop, c'est. Floodgate, check. Que nous faut-il d'autre? Le magique crayon. Je l'ai plus ça? Ah, je dois l'avoir dans ma pouch. Yes, ok. Alors, c'est parti. On va faire la même recette que pour ce truc-là. Ah, il nous faudra un Under Tank aussi. Mais bon, c'est secondaire ça. C'est secondaire. Donc, dans un premier temps, on va mettre. On va mettre nos lilies. Comme ceci. Avec. Lui là, toc, boum, boum. Voilà. Si on regarde, on va lui laisser le bénéfice du doute. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Voilà. C'est un mode, c'est temporaire, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Ok, maintenant, on va mettre notre floodgate par-dessus, comme ceci. On va virer ça en dessous. Et là, on va prendre notre crayon magique. Logiquement, on a juste ce qu'il faut pour le faire. Alors, on va mettre les lunettes sur notre nez. Ça pourra aider. Hop, comme ceci. Donc vous voyez que là maintenant les blocs apparaissent comme par magie. Et donc on va mettre un bloc là pour bloquer le mana, enfin la lave, ici, 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 et là. Là, la lave pourra uniquement se mettre sur ce côté-là. Donc c'est parfait. Ok, donc on retire nos lunettes de miro. On met tout ça dans la pouch. Il nous reste quoi? 4 utilisations. Ça pourra toujours servir. On va remettre notre casque sur le nez. Et on va aller vite fait se crafter un Ender Tank. Je vais vous montrer une petite subtilité au niveau de l'Ender Tank d'ailleurs. Ça sera pas plus mal. Alors, Ender Tank. Jusqu'ici, la recette, elle est classique. Je crois qu'il me reste encore un chaudron perdu. Je vais en chercher un vite fait. Parce que la recette de Greg Tech est vraiment pénible. Alors je crois qu'il en restait un par là. Ouais, il en reste. Parfait. Hop, voilà. Youhou! Voilà. Hop. J'espère qu'il nous reste de la laine. Oui, c'est bon. Donc l'Ender Tank, il est crafté. Pas de souci. Maintenant. Vous en avez plusieurs à crafter de la même couleur.
Vous pouvez les craft ou rajouter les couleurs directement ici. Alors, est-ce que j'ai du raid? on va aller vite fait chercher du colorant. Alors, il me faut de l'orange, il me faut du jaune et du rouge. Hop. Là, je dois avoir le mortal N pilar en bas, j'espère. Regardez des fois qu'il soit pas resté bloqué là. Non, il n'y a rien là. Et il n'y a rien ici. Donc ça doit être bien en bas. Sinon, on se le recraftera, c'est pas un problème. Mortar perdu, on l'a pas. Mortar. Alors, on va se crafter vite fait ce truc là. Ouais, la recette du bol, hein, la Grecta qui fait un couteau. Ok. Et là, je dois. Je sais pas ce qui s'est passé. Me demandez pas pourquoi. J'espère que ça enregistre toujours. Voilà, le mortar, il est fait. Juste faire une petite ellipse pour voir que tout va bien. A tout de suite. Note pour plus tard, quand sur une touche tu appuies pour passer en full screen sans faire exprès, ton frappe se redémarre. J'espère que tout va bien, j'ai regardé vite fait, normalement ça devrait aller. Alors j'en étais à faire des colorants. Donc vous prenez votre pestle et mortar, vous mettez une pétale, vous récupérez un colorant. Hop, c'est aussi simple que ça, c'est assez pratique pour éviter d'aller faire quand vous avez un stock de pétales et que vous n'avez pas envie de vous taper la motif pour aller chercher des roses et des dents de lion. Alors là ça m'emmène à ce que je voulais vous montrer. Ma recette. Enfin, mon code couleur à la Farmcraft, c'est rouge, jaune et orange. Si vous voulez rajouter, quand vous avez plusieurs années en tant que crafter avec cette couleur, par exemple, vous pouvez mettre directement les colorants comme ça, d'accord? N'importe quelle couleur, ok. Sauf que si je fais comme ça, voilà, là, ça va me faire un Ender Tank avec les couleurs orange, jaune et rouge. C'est inversé. Quand vous craftez, c'est inversé. Donc, prenez bien soin de faire ceci. Comme ça, au moins là, vous êtes sûr d'avoir votre Ender Tank. Et là, au moins, vos colorants sont rajoutés directement dans le craft. Donc, quand vous en avez plusieurs, au moins, ça vous fait gagner du temps plutôt que de les poser au sol, de les mettre et de les recasser pour les dépasser ensuite. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Double astuce, puisque c'est buggé, donc il faut faire attention. Donc, en toute logique, si maintenant je mets. Pénible. Bon, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. Ce truc-là par-dessus, que je dis, on descend. Logiquement, je dis bien logiquement, on devrait avoir de la lave. Voilà. Et la lave ne devrait pas bouger. Parfait. Donc maintenant, si je prends mon truc. Oh, t'es sérieux? D'accord. Donc on va arrêter ça. Parce que là, en fait, c'est pas le bon mana spreader qui est pris. Hop, je t'arrête. Arrête-toi. Allez. Alors, ce qu'on peut faire. Donc là, il n'y a plus de lave. Donc si je pète un. Je prends ma hache, on ira plus vite. Oups, là, voilà. Toc. Que je te pète toi. Voilà. Donc là, logiquement. Toi, t'es là, toi t'es là, toi t'es là, putain, toi t'es là, toi t'es là. Ouais, d'accord, Narmol. Toi tu vas ici, toi tu vas ici. Pas comme un problème là, monsieur. Bon, alors ce que je vais faire pour éviter de me brûler, je vais placer un bloc de dirt là, voilà, comme ça au moins, plus de problème. Là, je vais virer. Je vais virer ce mana spreader là qui fait suer. Hop, je vais virer ces plantes. Bon, à la pioche. Voilà. Et je vais virer celui-là. Maintenant, je reprends mon mana spreader. Je vais poser comme ça, hop, que je vais dire, bim,
Boum. Et là, il me dit quoi, lui? Il me dit, c'est bon, on est relié. Donc, quand si vous placez sur votre plante la baguette, vous voyez à quel mana splatter il est rajouté. Maintenant, si je pose ça, toujours problématique ça. Je sais pas dans quel sens il faut le mettre. Je pose ça, que je pose ce truc là ici. Hop, hop. Et lui, il veut toujours. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. Hop. Donc, il faut déjà poser le mana spreader a priori, et ensuite poser les plantes. Comme ça, les plantes vont se linker au mana spreader le plus proche. Et là, vous voyez que c'est bon. Il fallait le savoir. Toi, pourquoi t'es comme ça? Je t'ai dit comme ça. Et voilà. Donc maintenant, il reste plus qu'à répéter la dirt, remettre la manivelle en mode burning, et logiquement, ça devrait se remplir. Et ça se remplit normalement. Je dis bien normalement. Voilà. Donc Ender Lily, ça serait bien si. Dois-tu prendre quelque chose ou pas? Ouais, t'es en train de rougir, donc c'est bon. Donc, je vais remplir, faire en mode manuel pour que ce soit un peu plus rapide et je vous reprends tout de suite. Aïe, en toute logique, j'ai fait le plein. Il y a plus d'un mana pool de disponible pour mes deux osios. Donc maintenant, dernière chose à faire, il faut activer le Gateway Core. Boum! Et voilà. Donc, ça va. Ça consomme pas trop à l'ouverture. Ça reste raisonnable. Donc, maintenant, ça devient vert. Et donc, la chose à faire ensuite, c'est de prendre votre bouquin et de le jeter dans le portail. Hop! Il disparaît. Et quand vous le récupérez de nouveau, vous voyez que normalement, si on regarde là, hop! Contain two school of knowledge. Minecraftian Knowledge et Elven Knowledge. Et si on l'ouvre, voilà, tada, Elven Guard, yes! Et maintenant, vous avez un petit mot des elfes qui vous disent bonjour, gna 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 gna. Voilà, donc je vous laisse le lire, parce qu'il y a quand même 4 pages. Voilà. Et donc maintenant, vous avez beaucoup de choses qui se sont ajoutées dans votre bouquin de Botania, qui sont en vert. Et si vous retournez au lexique, la même chose s'affiche en vert pour les nouveaux trucs qui sont sympathiques à regarder. Donc voilà. Je pense qu'on a terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Notre objectif étant rempli. Et bah il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt YouTube. Ciao!